Arsène Itius, étudiante de 3e année en sciences politiques et des relations internationales à l'Université Nejmettin Erbakan, faculté des sciences politiques. Le département des sciences politiques et relations internationales est situé sur le campus de la faculté des sciences politiques de l'Université Nejmettin Erbakan. Les sciences politiques et les relations internationales sont au niveau du premier cycle des études de 4 ans. Mais comme il y a une classe préparatoire, la scolarité correspond à 5 ans. C'est une école qui forme les étudiants qui examineront les stratégies et politiques internationales, joueront un rôle actif dans la gestion des décisions prises par le gouvernement, telles que les stratégies économiques, les droits de l'homme et politiques, puis établiront des relations internationales et se spécialiseront dans ce domaine où ils seront formés. L'objectif des étudiants en sciences politiques et relations internationales est d'offrir plus d'opportunités et de combler le manque de personnel expert dans ce domaine, et ainsi de contribuer à la progression des étudiants en relations internationales et au développement des relations internationales. Les cours suivis sont l'introduction aux sciences politiques, les théories des relations internationales, l'analyse de la politique étrangère, l'économie, les statistiques, la sociologie, l'économie politique internationale, les études régionales, l'histoire de la civilisation, le droit international et l'histoire diplomatique qui sont dispensées tout au long de la formation de premier cycle. Dans notre université, il existe le programme Erasmus+, programme échange étudiant, qui nous propose de la mobilité de stage et de la mobilité d'apprentissage. Et après avoir passé l'examen de langue organisé par notre université, il nous offre la possibilité de faire un stage dans des institutions et des organisations grâce auxquelles nous trouvons les possibilités de travailler dans une entreprise, un institut de recherche, un laboratoire ou dans les domaines universitaires à l'étranger. Après avoir obtenu leur diplôme du département de sciences politiques et de relations internationales, les diplômés ont de nombreuses opportunités d'emploi. Ils peuvent trouver des emplois dans toutes les institutions et entreprises, en particulier dans le cadre de l'étranger. Ils peuvent également travailler dans les médias, où ils agissent comme des agents de réputation entre les médias, les gouvernements et les entreprises étrangères. En outre, ils peuvent prendre leurs fonctions en tant que diplomates, bureaucrates, experts de l'Union européenne, chefs de projet au ministère des Affaires étrangères, consulats ou dans des organisations non gouvernementales internationales et des sociétés de commerce extérieur.